La terre est dépeuplée. La vie n'a plus de saveur. Ma mère, ce samedi 3 octobre, a été rappelée par Dieu. Certainement, Dieu a voulu qu'elle aille à côté de son mari, mon papa, qui lui est décédé, qui lui est parti depuis 2016. N'essayez pas d'imaginer ma souffrance. Louis Rambeau, il est inconsolable. Il est vraiment inconsolable. Ma mamie nous a laissé. Je pense qu'elle a jugé bon de vivre à côté de son mari qui était parti avant. Donc, je présente, au nom de tous les artistes du monde, je présente nos sincères condoléances à notre icône qu'on appelle Koffi Olomide. Et je les demanderai tout simplement d'être fort. Parce que ma mamie, dès son vivant, quand elle était vivante, elle a toujours été là pour soutenir son fils. Dans des moments comme ça. Elle a toujours été là pour Koffi Olomide. J'estime que, à mon humble avis, dans mes rêves les plus ardents, j'estime que où elle est, elle souhaiterait voir son fils Koffi Olomide en forme. J'ai eu le vieil, elle n'arrivait même pas à péter deux phrases. Elle plairait, il plairait. Moi, je le dirais tout simplement de rester fort. Si c'est Dieu, il nous donne, il récupère. Ma mamie, c'est... Koffi, c'est ma mamie. Elle a réussi quand même de nous donner... Ça reste une championne. Elle a réussi de nous faire un Koffi Olomide. C'est une championne. Elle reste... Elle demeure une icône dans la tête des Congolais. Et... Congo, réalité, vision, chanel, abisso, et le bakama, kambo, vérité. Je sais que... Déjà, ma préparatif tout à l'heure en répétition, moi, la showbiz, mais je voulais quand même avant tout... De côté à bien à l'Isolo, le grand beau-père vient de perdre sa maman à Paris la nuit. Je viens de l'avoir même tout à l'heure au téléphone. Louis Rambeau, il est inconsolable, il est vraiment inconsolable. Ma mamie nous a laissé. Je pense que elle a jugé bon de vivre à côté de son mari qui était parti avant. Moi, je présente au nom de tous les artistes du monde, je présente nos sincères condoléances à notre icône qu'on appelle Koffi Olomide. Et je les demanderai tout simplement d'être fort. Parce que ma mamie, dès son vivant, quand elle était vivante, elle a toujours été là pour soutenir son fils. Dans des moments comme ça. Elle a toujours été là pour Koffi Olomide. J'estime que, à mon humble avis, dans mes rêves les plus ardents, j'estime que où elle est, elle souhaiterait voir son fils Koffi Olomide en forme. J'ai eu le vieil, elle n'arrivait même pas à péter deux phrases. Elle plairait, il plairait. Moi, je le dirais tout simplement de rester fort. Si c'est Dieu, il nous donne, il récupère. Ma mamie, c'est... Koffi, c'est ma mamie. Elle a réussi quand même de nous donner... Ça reste une championne. Elle a réussi de nous faire un Koffi Olomide. C'est une championne. Elle reste... Elle demeure une icône à la tête des Congolais. Et qu'elle repose en paix, que la terre de nos ancêtres lui soit fertile. Mm-hmm. On vit Koffi Olomide, qui reste fort, c'est Dieu, il donne, il récupère. Courage. Je sais qu'il a affronté certaines choses de la vie, mais pas celui-là. Celui-là sera quand même compliqué pour lui. Je lui demanderai tout simplement d'être fort. Ok. Merci. Maestro Fabregas, vous êtes là, notre invité, le 9 octobre. C'est pour la deuxième fois, faut le dire. Parce que la première fois, c'était... En passant, je vais le président Roga qui vient de passer. Roga, il va jouer ce soir. Tu as l'invitation. Un village Saint-Emmanuel. Ah, tu seras là. Trois grands frères. Bien sûr. C'est... Et là, Congo Zali. Je souhaiterais que ma Congolais va me soutenir, grand frère, Roga. Et Zali l'aura bien. Parce que la musique n'a pas de frontières. Alors, la soir, à Zanach Village Saint-Emba, comme on y a la très bonne musique, on va bien. Alors, tu as beaucoup d'actualité en fait. Et Dieu. Ah, j'aime bien et Dieu là. Et Dieu. Et Dieu, ça veut dire quoi et Dieu hein? Et Dieu, c'est. Et Dieu, c'est. En fait, c'est. Un meilleur pour exhorter Nzambé. En fait, toi, c'est Nzambé, tout c'est pire en fait. En fait, il y a une pluie de bénédictions qui tombe sur moi. Ok. Ça s'enchaîne en fait, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Et quand ça arrive, et comme si on est humain normal, on rentre. Ah, hey Dieu.
S'accumulent dans le bon et on peut te dire merci à Dieu. C'est une manière de dire et Dieu et merci Dieu en fait, c'est ça. Et puis c'est on a trop de la chance pour rien. Bon, on sait pas pourquoi. Quand les choses se passent bien, on peut te dire merci à Dieu. C'est une manière de dire merci à Dieu. Et Dieu, c'est une reconnaissance. Hein. Alors, Maestro Fabregas, on risque. J'ai oublié même Sony. Sony, oui. Ça, c'est une grande actualité. La signature sur Sony Music. Ça s'est passé comment, cette signature? Donc, tu as été contacté. Non, Sony, ils ont. Quand j'ai sorti ma chanson Épave, une semaine après, ils ont écrit à mon manager via mail. Et voilà, on a négocié le contrat. Il y avait des pourparlers et puis après 4 ans. Nous devons également te féliciter pour la qualité de la réalisation de toute vidéo. Hein, ah merci. Fabregas. Mais faut pas oublier que celle-là, c'est. Merci beaucoup. Mais on les aura à Fabregas, hein, on Dead Record. C'est quand même moi en fait. Le dernier titre sort. Cadeau. C'est moi. Le cadeau. Sony n'a touché. Le 11 septembre dernier. Sony n'a touché. Sony n'a touché. On va couler à Mickey, on va voir la salle qui est possible, il y a ça qui est en tête de record. Dans l'image, il y a la qualité, ma casse pour. Et ça, parmi l'album, il y a un peu. Dans l'image, il y a un peu de tout vraiment, de génération en génération. Bouni Rumba, Rumba, la musique, je suis vraiment beau dans le Congo. Il faut ce que tu sois dans Rumba, plutôt multiplier la qualité dans Rumba, il y a un salaire mis à jour. Ça, il y a un peu de temps. C'est le moment où on a mis ça dans terre. Mise à jour cible. On va travailler là, on va rire. Si je fais, je remercie beaucoup Michel Bass. Il est même actif, il est venu pour la préparation au concert. Voilà. Pour bêta concert, le 9 octobre, vendredi prochain, la showbuzz. Dans ça, on a battu. Je suis venu à Miki, dans ça, on a tout ça dans mon bambou. Mais vu la nova, on va être un gars, on va être un gars. Pour les différents albums, un groupe pour tout ça, merci. C'est juste pour marquer la différence. Et sinon, je remercie beaucoup tous qui ont travaillé avec moi dans Cible. C'est un album mémorable. Je pense que les gens commencent à comprendre. Je me réfère à un message que tu m'as donné au téléphone. Tu étais en Europe. Kuntola, toi là, album est Kendeni. Epsio, mi fig, mi reza. Epsin, oseki. Kun toi là, zalo calme. OCP là. Ah. Et j'ai même dit la moutou, zayene nabi. Moi, mon balo, zaso, le bin ali kam. Et ça, m'a amené à l'OMI. Et après, je vois un énorme succès en train de monter petit à petit. Les gens découvrent un album travaillé avec ma qualité. Moi, les colons, bah, on découvre. Yo, c'est les mises à jour. Ça se passe comme ça. Mon pays, tu nous bouges au bout. C'est ma vie. Tout le monde, on va vivre. On a maestro. Et comme il m'a dit, moi, mon dieu, c'est comme il a vu. Parlant de cet album, on parlait de quoi déjà? Je disais. C'est souvent comme ça. Un génie, des savants, quand ils parlent, on ne leur comprend pas maintenant. Tu sais, savants, ce qu'on comprend, au moins Jésus-Christ de Nazareth, nous allons comprendre, si ce qu'on a compris, quand Jésus était vraiment dans l'âme, on comprend peut-être l'obi. Quand les savants parlent, on ne comprend pas tout de suite. Ça, c'est des faux savants. Quand tu parles, tu comprends ce qu'il m'a. Moi, quand je chantais l'histoire de Kinshasa, les loups, tout ça, presque comme mon bébé. Les gens me prenaient pour un fou, pour quelqu'un qui vient régler les comptes. Mais au final, tout le monde a compris. Quand je parlais de l'histoire de pasteur, aller loin de ma famille, tout ça, tout bon, ça me salle en zam, mais tout ça, personne ne comprenait. Mais genre 4 ans, 5 ans après, les gens commencent à me comprendre. C'est-à-dire, ça ne m'étonne pas que les gens ne me comprennent pas facilement. Alors, la phrase, mon ami, mon ami, on combat tous, mais pas sur le même front. Tout ça, la personne, c'est en musique. Mais l'objectif, c'est de mon côté.
Parlons de vie, moi. Oh, et où est-ce là? Bah, colibé, bah, pamphlet, Tony. Et Dieu. Heureusement, t'es très intelligent. Mais si je suis en face de toi, j'utilise pas l'intelligence parce qu'on va faire la ressemblance. Moi, j'utilise la sagesse plutôt. Quand je suis avec toi. Ok. Et j'exploite mon intelligence quand je suis avec certaines personnes qui ne sont pas aussi intelligentes. Et la malchance que j'ai quand je suis dans RTGA, au bout d'un an, adorable à 33, j'étais en face de vous. Mais les nos amis le voient ça là. Fais la rallye au Bérin, la libéro masqué, on va me. Au Kim. Non, Sigo, par là, j'ai envie de dire que. Mise à jour et ça, la maison, t'as moi d'en comprendre. Prends un téléphone. Et aujourd'hui, je suis très content et très fier que Batouba comprenne que c'était un très bel album, c'était un très bon projet. Batouba continue à consommer cible et mise à jour. Barumba bien zarana. Et bon, c'est de mon Tony. Nga Naza, la salle a mis na YouTube. Ça dit Naza, porte parole à YouTube. Naza musicien. Après, le vue, les streams, les ventes en téléchargement, tout ça, ça c'est bien pour l'argent. Pour la bon. Mais seulement que la musique n'a pas limité encore pour la bonne. Parce que ceux-là, quand bon, on est tout la musique, mais il y en a certainement des artistes qui pourront bien laisser la musique. Bah, viens à Soulra Barambo par exemple, bah, viens à Soulra les rois de la forêt. Papa chéri, c'est des artistes. Vous comprenez? Moi, le vice, ça se limite plus pour l'argent. Et moi, je suis dans la construction, dans faire des qualités, des beaux clips, faire de belles chansons, des beaux. Impact dans la société, puis la vie à battre. Qu'est-ce que j'apporte aux Congolais? Moi, je suis dans ça, je suis dans la construction, je suis dans le. Comment on appelle ça? J'apporte des choses à la société. C'est-à-dire, quand je viens, j'ai dit, bon, pour cet album, qui t'y vend la paix maintenant. On doit être unis, on doit être. C'est des choses comme ça. Dans mon premier album, j'ai parlé d'amour. L'amour est plus fort que tout. Tu vois, moi, j'apporte des choses. J'ai trois devoirs dans ma musique. Construire, instruire et en jamais à l'envers après. Divertir. Divertissement, ça vient après. Mais vraiment, j'ai le souci de construire mon peuple à travers ma musique. Et puis, tu vois des gens. Dans ma fête, ça prouve à combien les Congolais t'aiment, ils t'ont donné cette chance. Et moi, en retour, je ne peux pas me limiter qu'aux vies. Mais après, dans le but, c'est de se limiter à la vie, ça l'a mabé. Non. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. Chacun de nous sait pourquoi il fait sa musique. Mais moi, personnellement, je suis dans les trophées, tu vois, dans les primes. Moi, j'ai été primé ici dans ce pays, meilleure voix, meilleur album. Tu vois, j'ai des disques d'or, même en faux, pas de problème. Tu vois. Moi, j'ai été dans ce pays, j'ai eu des mois dans Mboka, dans ce pays. Si tu rentres dans ma discographie, j'ai des albums, mes albums. Et quand je parle des albums, mais des albums de qualité. Ça te rend que aujourd'hui? Non, je t'ai fait comprendre le Mamon à la loupe là, quand même. Ok. Fadi, c'est des choses comme ça. Discographie, c'est au coach du Manzé Mounama, Tilelo, quand on est bien, Matoui. Fabio Guaranenga, en tant qu'artiste, n'a pas été la même à tout. Mais sinon, le reste, vie, c'est bien, mais c'est pour l'argent en fait. D'accord. Si on y va, premier artiste, au moins, il y a à date à Michael Jackson. Bisous Jackson, dans l'accès, c'est qualité, la chorégraphie, dans la musique de Michael Jackson. La qualité, la clip, dans mon Michael Jackson. La collate, au flasher, dans le podium, dans mon Michael Jackson. C'est beaucoup de choses qu'il nous a ramené et il n'arrête pas de nous apporter. Et malgré ça, je suis maintenant, c'est le mambo à Tikara. Concert, on a couru tout ça, c'est Michael. Donc moi, de mon côté, j'essaie de me battre à apporter dans ma société. Et Dieu m'a fait une grâce que j'ai réussi quand même à apporter certaines choses dans la musique congolaise. So, tu es maintenant sur mon coup. Mon coupé. Voilà, on va rester avec vous, Maestro Fabregas, sur ce plateau, et également pour saluer Fortuna Makengo qui est en train de suivre cette émission. Et nous pensons également dire à un jeune qui t'aime beaucoup, c'est un jeune du quartier, Frazi L'Argent. Il s'appelle Frazi Moro, Frazi L'Argent. Il est en train de suivre cette émission. Nous vous saluons avec plaisir. Voici le Maestro Fabregas. Bien habillé, hein. Il est plein de choses. Ah, merci mon frère, mais c'est idem. Hein. C'est partagé, c'est plaisir, comme tu es bien habillé également. Non, moi, tu me fais juste un gamin. Un beaucoup. Mais voici quand même un don destiné pour faire plaisir aux gens ou aux personnes que vous aimez. C'est ce qu'on appelle cadeau. C'est ton titre. Congo, réalité, vision, chaîne, abysso, et le bac à ma cambo, vérité.